Yo, petit Clémentine, c'est Prodéod, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Suicide Guy, le troisième. On a déjà fait pas mal des aventures possibles. Peut-être qu'on peut continuer jusqu'à l'aventure 20. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. J'espère que les épisodes précédents vous ont plu. Du coup, on est parti, toujours en live avec Twitch. N'hésitez pas à me follow si c'est pas encore le cas, et à vous abonner sur YouTube si c'est pas encore le cas non plus. Du coup, go, on est parti, on va tester un nouvel épisode. Je rappelle que Suicide Guy, c'est un mec qui rêve. Et en fait, il s'est endormi devant sa télé, avec une bouteille de bière à la main. Vous imaginez que c'est pas le bon combo. Il a le ventre bien rempli, et du coup, il rêve des choses bizarroïdes. Et toujours, à la fin, il faut se suicider. Voilà. C'est à peu près ça le principe du jeu. À quelques détails près, on est là-dessus. Alors, mais le jeu il est pas moche quoi. Ah, c'est un style. Il n'est pas détaillé en mode réaliste, mais c'est un style, il est pas moche. Ok. Donc là on est dans une décharge. Bon, c'est une série d'énigmes pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents. Donc d'accord. Là, forcément, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut récupérer? Je réfléchis. Là, il n'y a rien à descendre, monter ou quoi que ce soit. Et est-ce que la voiture se conduit? S'il y a un point rouge, j'imagine que c'est plus ou moins logique. Bon alors, on peut pas monter? Oh. Ok. Et là, je fais quoi ensuite? Moment intense de réflexion. Ça doit techniquement me servir à quelque chose, moi je ne sais pas vraiment quoi. Là, il faut monter là-dessus, là. Là-dedans, il n'y a rien à faire. C'est vide, c'est ça? Ça paraît bizarre. Mais peut-être. Peut-être que c'est juste un élément de décor. La voiture peut pas toute seule faire quelque chose, on est d'accord. Et ça, c'est pas assez long pour déposer le truc dans le à l'intérieur de ce truc là. Là, la musique m'a un peu saoulé. Il n'y a aucun autre élément. Waouh. Je parle trop bien la France. Aucun autre élément qu'on puisse récupérer dans le décor. Et bah, j'ai pas l'impression. Donc ça se joue vraiment. Ça se joue vraiment avec aussi peu de choses. Mais là, même si je voulais appuyer sur ça.
Parce que la voiture, à la limite, elle se téléporte. C'est le seul truc que je peux prendre. Je crois peut-être que j'ai compris. Faut monter sur le tas. Et peut-être qu'on peut pas en fait. C'est pas évident qu'on puisse monter sur ce tas là. Tout cas, je peux déposer l'autre machin sur le tas. Récupérons la statue. Oh là, le tas qui est vide, quoi. C'est un... On nous ment, on nous ment. Parce que là, je peux faire ça, mais je peux pas aller plus loin, en fait. Vous voyez, genre, je suis bloqué. Ah bah là, je peux. Il y avait une croix rouge quand j'avais pas vu. Donc là, peut-être que je peux me projeter. Alors, on va tenter, hein. Ah, c'est ça. Hop. Je l'ai cassé. Ouais, y avait un bon petit délire comme ça. Par contre, ce jeu est vraiment cassé. Il y a la possibilité de sortir, mais je pense que le but c'est pas de sortir. Par contre, je vais la garer dans l'autre sens, ça va m'éviter pas mal de problèmes. Par contre, les voitures qui font un 360, bon, j'espère qu'on aura pas ça sur Life Up. C'est quand même relativement pas réaliste du tout. Alors. Mais ça bug, c'est un truc de ouf, hein. Voilà. Bon. Donc là, c'était bien parti. Par contre, après, je suis tombé. Bon, ah, donc il faut bien s'aligner dans l'axe. Je suis en train de réfléchir, mais je doute. Je doute que ça marche. Il y a un truc qui m'échappe. J'aurai jamais le temps de m'enfermer là-dedans et de mourir. Après, on peut essayer, hein, mais qui ne tente rien à rien, mais bon. On va voir. On essaye. Oula. Ça vibre. Alors.
on retente l'expérience. Voilà, là, la voiture est là. Et pas la voiture qu'on va tenter de détruire, c'est vraiment nous. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 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 Et c'est une course contre la montre du joueur français. Non. Non. Vite, vite. Oui. Non. Mais non. Non. Quoi? Mais c'est quoi ce jeu cassé? Oh là là, jeu cassé quoi. Bon, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais le jeu est complètement cassé. Ce jeu est broken. Mais il est sévèrement cassé, hein. La complexitude. Bon, on va recommencer à nouveau. Et l'histoire, elle se répète en boucle. Tout ça pour mourir d'un coup. De temps en temps, le jeu il fait des espèces de bugs chelous. Bon. Donc là, il va falloir être nettement plus rapide. Bon. Déjà, on va vérifier que la voiture est bien alignée dans l'axe. Bon, ça c'est bon. Ok YouTube, au taquet. Allez, go, 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 go. Go, go. Allez, allez, mais fonctionne là, oui. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Allez. Yes. Yes. On a réussi. Ah, enfin. Ah, c'était compliqué là, hein. C'était compliqué cette fois-ci. Ça voulait pas marquer un truc efficace. Alors, un chapeau de magicien. Je pense à un truc qui référence à Harry Potter, ou un truc du style. Parce qu'il y a plein de références cachées dans le jeu, donc... Ou bien un chanteur, ou je sais pas. Ouais, alors non, les musiques, ça le fait une fois, pas deux, quoi. Alors... Une poule. Du fromage. Il n'y avait pas du fromage là-dessus? Olé. Alors, je vais le poser là, peut-être, ce sera plus facile pour moi. Alors. Les souris mangent du fromage. Donc, le fromage, on le met là-dedans. Les poules mangent des graines. Les poules mangent des graines. Des graines. Des graines. Ah, on peut monter là. Pardon. Et mon fromage a disparu? Parce que ça a pas explosé quand mon fromage est passé, machin. Oh! D'accord. Ah, mais merde! Le fromage était pour attirer la souris! Et j'imagine que j'ai pas d'autre fromage. Oh. On peut pas le déplacer. Ah. Les rayons du soleil font quelque chose, peut-être. Ça il me dit toujours d'interagir avec le truc, mais je ne peux plus rien faire avec. Bon. Mettre le livre dedans. Un os. Un lapin
Alors, une poule, c'est bon. Un lapin, c'est pas bon. La souris, elle est là, mais pour la choper, c'est un enfer. Un lapin. Là, le lapin sort d'un chapeau. On est d'accord. J'ai rien pour le... je peux lancer le bouquin, là. Voilà, qui ne tente rien à rien? Bon, c'est un échec. Non plus. Un os. Et là, on peut pas sortir. Pourquoi on peut ouvrir les portes, alors? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de sonner, toi! Arrête de sonner! Je vois bien la souris. Comment on peut recommencer le niveau? Recommencer le niveau. Ok. Bon, alors toi, tu t'arrêtes tout de suite. La souris, viens, j'ai du fromage pour toi. Désolé, ma petite. C'est pas que je t'aime pas, hein. Mais c'est que... Je suis méchant. Bon. J'en ai mis deux. Donc je sais comment attirer la souris, ça c'est bon. Je sais comment attirer la poule. La poule c'est bon. Manque le lapin et l'os. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rien qui ne marche. Rien du tout. Twitch, des idées peut-être? Tout en haut. Tout en haut, tout en haut. J'ai une vue d'ensemble. Ici, je n'ai rien. Vous voyez un os? Moi, je vois pas. Par contre, je vois un tiroir là-bas. Mais un tiroir qui ne s'ouvre pas. Et il y a toujours cette histoire de fenêtre. Que je ne peux pas refermer. Y a pas un lapin par exemple? Un lapin, un lapin. Et ça, je peux. Bah si, je peux le pousser. Ah bah voilà. Je me disais bien. Alors, un lapin. Oh, je t'ai vu! Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, l'ustu cru, chapeau pointu. Oh, je suis désolé. Franchement, c'est. Ce jeu est méchant. Je voulais pas te faire du mal. Désolé, mon petit lapin. Désolé. Ce jeu est vraiment cruel. Heureusement que je suis pas une sorcière. Heureusement que je ne suis pas une sorcière dans la vie. Alors, ma pelle est là-bas. J'ai trouvé mon os et puis je vais mettre le livre et puis on va voir ce que ça va faire. Le son est super fort dehors. Je sais pas pourquoi. Allez, allons faire des potions magiques. Ma pelle. M'appelle. 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 Arrête de bugger. C'est pas le moment. Oh, le level bugué, quoi. Reviens. Oh, mais je suis obligé de tout recommencer.
Ça parce que l'appel a bugué. Ouais, désolé, mais là, j'ai plus le temps. Hop. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps, mon petit lapin, j'ai plus le temps. Tout bug, alors... Ah, moi, quand ça bug, j'ai plus le temps. Ça fait 3 fois que je refais le truc, là, et à un moment... J'en ai ma dose. Hop. Voilà. Bon, allons chercher la pelle. Et ça creuse. Bon. Et ben il faut creuser. Et là ça creuse pas. Ma pelle a disparu. Le sol est bugué. Ah bah dis-moi. Allez hop. Le mec pourrait pas rêver des trucs un peu moins bizarres et un peu plus faciles. Clairement, j'ai mis. Qu'est-ce qui pourrait me manquer? L'os, c'était dedans. Le livre, c'était dedans. Le lapin, c'était dedans. La poule, c'était dedans. La souris, c'était dedans. C'est censé faire un truc où on meurt. On peut pas prendre le verre. Comment est-ce... Ah si, je peux le boire maintenant, comme ça. C'est comme... On peut le boire. Bon. Voilà qui est fait. Parfait. Bon. N'empêche que plus on avance, plus les levels sont compliqués, je trouve. Tant mieux. Un chapiteau. Il y a l'ingéniosité. Il y a une question d'originalité sympathique. C'est un jeu qui vaut son prix, quoi. Your points. 100. 1000. 5. Et hop. Oh, j'ai gagné un ticket. Pardon. C'est la fête foraine. En train de casser la machine. Parce que bon, sans vraiment, ils ont vraiment fait un pas. Et je veux ça dans Life Up. Je suis désolé de dire ça à mes développeurs, mais dans Life Up, je veux un système comme celui-là. C'est obligé. Je veux un système comme celui-là dans Life Up. Oh, je sais pas viser par contre. Ah! J'arrive pas à viser, ça va trop vite! Le truc, mais c'est insane! C'est tout? Ah non, j'ai gagné un ticket 100. Allez, tout doux. J'adore. Je trouve ça trop drôle. Alors, Game Station.
D'accord. J'ai toujours pas compris comment on pouvait mourir. Hein. On peut pas passer, d'accord. D'accord. Bon, j'ai au moins gagné ça. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Ah, le bazooka. Le bazooka, je pourrais tirer. Ok. C'est beaucoup trop drôle. Tickets. Ça va, on en fait un deuxième épisode comme ça là. Et tranquille, on a notre bazooka. C'est relativement facile. Allez hop. Là c'est juste un spray, voilà. On fait un spray soin du corps, massage, enfin un truc classique quoi. Hein. Tickets. Allez hop, c'est bon. On a nos points. On peut désormais se faire plaisir avec un bazooka nouvelle génération. BAM! Ça aurait été rapide. Mais comme je savais pas si on pouvait recharger. Je crois que chaque level est assez unique en son genre. Alors, une petite vache. Une petite vache des familles. Je sens qu'on se retrouvera dans un pré. Ou dans une ferme. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? On peut la déplacer, d'accord. Comme un vulgaire objet. Bah alors? En fait, les musiques sont bien au début, puis au bout d'un moment, au bout d'un moment, on s'en lasse un peu, quoi. On peut monter sur la vache ou pas? Bon, techniquement, si je peux monter sur la vache, je vais pas me faire chier. Voilà. J'ai une petite idée, mais elle est pas très raisonnable. Vous voyez, je peux le déplacer que sur deux axes. J'ai pas envie de tuer ma vache tout de suite. Ou peut-être que ça me servira à me tuer moi, mais... Je me dis, si je tue ma vache tout de suite, peut-être que je perds le seul élément pour lequel je peux monter tout en haut. Voilà. Donc là, il faut que je fasse au moins tomber ce cube. Une loupe. Une loupe. D'accord. Ok. À quoi peut me servir la loupe? Il y a encore des éléments qui m'échappent. À lancer peut-être la loupe. Y
Il va falloir la lancer. Il y a un truc du style, je pense, à faire. Voilà. On va vérifier, hein. Alors, attends, ma petite vache, c'est pas que je t'aime pas. Ok. Ok. On va voir. Ça, c'est relié à ça. Ça a cassé la machine. Mais, je viens de comprendre. Nous avons la chance assez folle d'avoir cette loupe qui va nous permettre je disais attendez le seul moyen pour moi de mourir et il vient de partir en fumée. C'est sérieux? Eh d'accord, mais ça, je clique dessus, ça fait quoi? Ça va tout faire péter peut-être? Et là, si je me mets en dessous, là? Non. Rien du tout, on va voir, attendez. Grand suspense. Ah. Là, tout est censé brûler, là. C'est pas comme je pensais. C'est surprenant. Voilà. C'est tout à fait surprenant. Alors, un réveil matin. 32 minutes. Dernière manière de mourir aujourd'hui pour cet épisode YouTube. Qui, je pense, va être un bon épisode. Une bonne dernière manière de mourir. Parce que nous allons mourir comme un homme. Ça c'est utile. Voyons voir en quoi c'est utile. Comment, Gertrude? Bon alors Gertrude, il y a ton copain qui m'a buté la dernière fois. J'aimerais bien que tu me butes cette fois-ci. Et une machine à laver ne te réveille pas. Laisse-moi trouver d'autres solutions. N'y aurait-il pas un truc à faire? Bizarrement, je pense que si. Allez. D'accord, bon ça voilà. Qu'est-ce qu'on... j'ai trouvé l'élément, l'arme fatale. Alors, tu es prêt, Lilin? Enfin, Gertrude, pardon. It's time to wake up! Ah bah, le réveil tout seul ne fait rien non plus. Les deux ensemble, ça te réveille pas.
Oh, bah alors, t'as un sommeil profond. Quand même, moi je me demande quel dragon, quel est le style de dragon pour avoir ça chez lui, hein. Franchement. Oula, mais le dragon, par contre, il l'a fait vraiment bugger, le mec. Il s'est pas fait chier. Il s'est dit, je fais un dragon. Aucune animation, genre mon dragon. On va poser ça là. Mais non. Même ça, c'est pas foutu de te réveiller. Ah bah là, franchement, Gertrude, je suis désolé, mais va falloir faire un effort, hein. Quels autres éléments ai-je à ma disposition? Est-ce que j'ai un truc ici là? Suite à un bug d'enregistrement de la part de Twitch, cette vidéo se terminera sans son. Mais étant donné que je suis un YouTuber extraordinaire, je vais vous offrir mes bruitages de qualité homemade. Bon alors là, j'essaye de monter ce petit cube. Oh my god, je suis au-dessus. Que vais-je faire? Écoutez, je n'ai pas vraiment beaucoup d'idées, je ne sais pas où je vais. Et si je poussais ce cube? Oh, c'est lourd. Oh là là. Oh mon dieu, il a fait un roulé-boulé sur lui-même. Oui, les bruitages sont qualitatifs, je sais. Oh, une radio. Mais serait-ce la clé de mon énigme? Sans doute, pour réveiller ce méchant dragon qui dort. Je pose la radio, j'allume le réveil, je mets le point de pointe. Pointe! J'allume la machine à laver, le dragon se réveille. Et là, voilà. Et là, je suis mort. Et je suis heureux d'être mort parce que un homme heureux et accompli ne peut être mort que tué par un dragon. En tout cas, voilà YouTube. Vous voyez comment c'est facile de faire des bruitages. Non, en vrai, je suis vraiment désolé, mais Twitch m'a fait un sacré coup de pute. En tout cas, sachez qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Suicide Guy. Franchement, j'adore ce jeu. C'est trop ouf. Donc, si vous aimez ce jeu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à me rejoindre sur Twitch. Je vais peut-être essayer de faire le nouvel épisode. En tout cas, on continue la série. Rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci de m'avoir suivi. Gros bisous, je sais, ma voix est pas du tout encore avec le corps. Et puis on se retrouve très bientôt. Tchou, gros bisous, c'était Prodéot, ciao bébé. Et puis à la prochaine.